Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager quelques petits DIY de Fidget Toys. En tout cas, j'espère vraiment que ces petits tutos vont vous plaire. Et puis si c'est le cas, et bien surtout, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et bien si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, voilà. Bon, et bien je vais arrêter de blablater et on va commencer ça tout de suite sans plus tarder. Let's go! Alors, pour ce premier fidget toy, c'est bien, vous aurez besoin de scotch transparent, de sacs de congélation, de poissons en résine, de paillettes de votre choix, de colorants et d'un petit peu d'eau. Alors, et bien, pour cette première étape, et bien, c'est très très simple. Vous allez devoir ouvrir votre sac de congélation. Et maintenant, et bien, je vais y insérer un petit peu d'eau. Une fois que l'eau est bien ajoutée, je vais à présent ajouter une petite goutte de colorant. J'y ajoute également quelques paillettes. Et pour terminer, eh bien, je vais ajouter un petit poisson qui est Polochon de la petite sirène. C'est parti! Et maintenant, eh bien, je referme le tout. Alors une fois que c'est fait, eh bien vous placez votre sac de congélation de cette manière-là où il y a le petit zip par ici, donc par le bas, et vous allez devoir couper le dessus, donc comme ceci, et ensuite on va tout enrouler avec du scotch. C'est parti. Alors une fois que c'est bien scotché, eh bien maintenant on va donc faire comme ceci, on va plier les deux côtés et on va scotcher sur cette partie-là, et voilà, on aura un fidget toys. Comme un petit boudin. Donc voilà, ça va donner ceci. Allez, c'est parti pour scotcher le tout. Et bien voilà, mon Water Fidget Toy, c'est à présent terminé. Donc regardez ce que ça donne. Bon, et bien voilà pour mon premier fidget toys, mes petits chats. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez contente. Juste un petit hic, c'est que j'ai un petit peu trop scotché, vous voyez, sur les côtés. Et du coup, c'est un petit peu plus opaque que prévu. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus transparent. Mais tant pis, voilà, j'ai un petit peu foiré sur ce coup-là. Ça sera mieux la prochaine fois, voilà, tout simplement. Mais vous voyez, c'est vraiment très très chouette de pouvoir réaliser ce fidget-là. En tout cas, moi, j'aime trop. Je suis vraiment trop trop contente. Je poursuis avec le deuxième tuto et cette fois-ci, vous allez voir, ça va être méga simple. Vous aurez besoin d'un ballon de baudruche et de plein d'Orbeez de la couleur de votre choix. Alors, eh bien, c'est très très simple. On va devoir insérer donc tous les petits Orbeez à l'intérieur de ce ballon. Alors, eh bien, une fois que j'ai inséré tous les petits Orbeez, à présent, je vais faire un petit nœud. C'est parti! Alors, le petit nœud est fait et à présent, je vais couper un petit peu le dessus. C'est parti! Eh bien, voilà mon deuxième fidget toys. Donc, il s'agit d'une balle anti-stress. Et comme vous pouvez le voir, franchement, c'est méga satisfaisant. Waouh! C'est vraiment super chouette et super relaxant, franchement. J'aime énormément ce deuxième fidget. Franchement, je vous le recommande à 100%, il est top. Je continue avec le quatrième fidget toy. C'est pour ce faire, vous aurez besoin de petites bouteilles en verre, de paillettes de la couleur de votre choix et d'un petit peu d'eau. Alors, pour commencer, eh bien, j'ai besoin de deux bouteilles en verre où je vais remplir dans l'une les paillettes de couleur bleu mauve et dans l'autre les paillettes de couleur rose. C'est parti! Et voilà pour la deuxième. Alors maintenant, eh bien, j'ajoute un petit peu d'eau dans les deux. Et voilà.
voilà pour ce troisième fidget toys. Franchement, je l'aime trop, c'est trop canon. Et regardez le résultat. C'est parti. Donc et bien voilà pour ce troisième fidget toys, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé chez vous et ce que vous en pensez, voilà voilà. Et pour terminer, et bien j'en finis avec ce quatrième tuto, donc ce quatrième fidget toys. Et pour ce faire, et bien vous aurez besoin de perles de couleur de votre choix et de fil spaghetti que vous allez pouvoir retrouver chez Primark. Alors et bien pour commencer, j'ai découpé deux ficelles spaghetti de la même longueur. Et je vais bien sûr enfiler les perles dans les deux fils. C'est parti! Voilà, alors une fois que c'est enfilé, vous faites un joli nœud. C'est parti! Alors, et bien une fois que j'ai fait le deuxième, donc voilà le résultat. Et ensuite, je les ai attachés tous les deux ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Et mon fidget toy, c'est à présent terminé. Et regardez-moi ça. Le but, c'est de faire comme ceci. Vous voyez, il est un petit peu élastique en même temps. Donc vous pouvez tirer un petit peu dessus. Franchement, c'est trop satisfaisant. Et le but, vous pouvez les faire comme ceci, en les tournant un petit peu comme ça. Et vous voyez, hop. Regardez. Vous pouvez les mélanger, les tourner comme ceci et hop, les remettre ensemble et regardez ce que ça donne. Enfin, c'est trop satisfaisant, franchement j'aime trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez réalisé chez vous à la maison. Mais en tout cas, moi, j'en suis trop fan. Et en plus de ça, il est trop trop cute. Franchement, les couleurs sont magnifiques. J'adore. Bon, et bien voilà mes petits chats. Cette vidéo tuto Fidget Toys est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien surtout, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager un max et à vous abonner à la chaîne. Et bien si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, voilà voilà. Et puis aussi mes petits chats, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel a été votre fidget toys préféré et n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez également réalisé les petits tutos chez vous à la maison et ce que vous en pensez, voilà voilà. Et quant à moi, eh bien je vous fais des méga gros bisous, surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.